Depuis fort longtemps, et en tout cas dès 1887, les pédiatres, biochimistes et hygiénistes se sont penchés sur les problèmes de protection infantile. C'est ainsi que l'œuvre des hôpitaux marins a favorisé la création d'établissements héliomarins destinés au traitement des enfants du premier âge atteints de certaines déficiences physiques. Le centre héliomarin de Saint-Rogent, dans l'île d'Oléron, est l'un des plus importants de France. Bénéficiant d'un climat idéal, les gelées sont pratiquement inconnues l'hiver dans l'île d'Oléron, au milieu d'une forêt de pins et de mimosas, ce centre, prévu tout d'abord pour les malades pulmonaires, en raison de l'aérosol marin, contenant du chlorure de sodium et des particules isolées, bénéficie d'une lumière éclatante produisant un phénomène de réverbération intense. Ce centre, donc, en raison de la régression de la tuberculose, s'est transformé très rapidement pour la protection infantile. Au milieu d'un parc de 90 000 m², en bordure de mer, 250 jeunes filles de 17 à 23 ans s'occupent toute l'année de 300 enfants, de la naissance à 3 ans, dont l'état de santé, dystrophie, séquelles, lésions osseuses, catabolisme accéléré, nécessitent des soins attentifs pour résoudre les problèmes de la croissance somatique et de la diététique. Sous le contrôle de 4 médecins spécialistes, 4 jardinières d'enfants, 20 infirmières péricultrices, ces 250 jeunes filles soignent les 300 enfants comme s'il s'agissait de leurs enfants. D'ailleurs, lorsqu'ils ont atteint l'âge de parler, ils les appellent maman. Le matin, dès le réveil, c'est la toilette de ces petits bambins de quelques mois, le bain, le changement de linge. Pour cela, une véritable usine fonctionne, lavant chaque jour 400 allaises et draps, 1900 couches, 400 culottes, 200 tabliers, 100 salopettes. La calandre, entre des mains expertes, peut repasser 600 couches à l'heure, 175 draps et 300 allaises, cependant que le séchoir rotatif sèche 30 kg de linge en 20 minutes. Mais la journée se poursuit, la toilette terminée, c'est le biberon, et pour ceux qui refusent toute nourriture, le gavage. Dans certains cas d'asthme prononcé, le passage sous la tente à oxygène, pour d'autres la perfusion, sous la surveillance des infirmières attentives aux moindres réactions et prêtes à intervenir. Mais c'est l'heure de l'auscultation, et chaque bébé est minutieusement examiné chaque matin par le médecin-chef ou ses collaborateurs, en compagnie des infirmières, notamment l'infirmière en chef, pour les cas particuliers. Bien sûr, tout cela ne se passe pas sans cris, mais après ces mauvais moments, que de distractions, sans compter les promenades. Cependant que nombreux sont ceux qui jouent ou font la sieste, les jardinières d'enfants, spécialistes en tests de réaction, interviennent. Il est indispensable de connaître dès le premier âge le comportement non seulement corporel, mais cérébral, la caution intellectuelle. 3 fois par semaine, il faut se soumettre au test qui peut permettre un changement de traitement. Mais le test n'est pas la seule opération quotidienne des jardinières. Il y a encore, pour certains enfants, les grands handicapés physiques, le passage à la salle de mécanothérapie. Il faut réapprendre à marcher, faire des mouvements permettant le renforcement de l'ossature.
Après tous ces soins, pénibles certes, mais pris avec le sourire, ce sera pour les grands et les petits la récréation. Dans l'une des salles de jeu, Muriel, l'artiste du centre, une petite Normande, peint le portrait de notre caméraman avec talent. Croyez-moi, c'est bien lui. Cependant, dans d'autres salles, Gilles, Catherine ou Nathalie, sous la surveillance d'une jardinière, jouent et chantent. Toute peine mérite salaire et pour un enfant, quoi de mieux qu'un bon repas, même s'il s'agit d'un régime. Pour cela, M. Bourguignon, chef de cuisine, prépare chaque jour, ou fait préparer par ses aides, plus de 100 régimes différents, allant du premier âge à 3 ans, de la purée légère à la purée consistante, des carottes cuites avec la peau pour les vitamines, au délicieux potage. Et pour terminer, après les viandes hachées, une très bonne pâtisserie. Depuis près de 50 ans, M. Bourguignon et certains de ses aides préparent ainsi les petites rations qui doivent aider l'action conjuguée de l'air marin et des traitements médicaux. Nous allons commencer aujourd'hui la pathologie chirurgicale du nourrisson et du jeune enfant par l'appendicite. Pour voir l'appendicite, nous allons d'abord revoir rapidement l'anatomie non seulement de l'appendice, mais du tube digestif, de manière à bien vous situer l'appendice, non seulement par rapport au reste du tube digestif, mais également sa projection sur la paroi abdominale, de manière à bien vous expliquer pourquoi nous cherchons tel et tel signe d'appendicite, ici plutôt qu'ailleurs. D'abord, qu'est-ce que l'appendice ? La direction soucieuse de la promotion sociale a ouvert un cours spécial pour les meilleures soignantes, un cours leur permettant d'accéder à la situation supérieure, celle d'infirmière. Pour le médecin-chef et tous ses collaborateurs, une seule question compte en dehors des soins médicaux, la propreté. L'hygiène est absolument de rigueur et avant d'entrer au centre, l'enfant, confié par la sécurité sociale à 100%, passe dans une salle de test où toute maladie contagieuse détectée interdirait un refus d'admission. La journée se termine dans ce centre extrêmement moderne et adapté à la vie actuelle par la promenade de tous ces petits à travers les allées de mimosa ou de sapin. Situé en un lieu excessivement favorable, le centre héliomarin de Saint-Rogent est une réalisation et qui mérite d'être placé parmi les modèles du genre.